Kylian, match compliqué. Première mi-temps difficile et puis deuxième mi-temps, on voit le vrai visage du PSG avec beaucoup plus de personnalité, de la qualité technique et des enchaînements qui font mouche. Ouais, c'est clair qu'en première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de personnalité parce qu'on était en supériorité numérique dans notre camp. On était 8 contre 6 à la pression pour ressortir. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe. On ne l'a pas payé cher. En deuxième mi-temps, on est revenu avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de qualité sur ce qu'on voulait faire à la construction. Donc après, on savait qu'on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. Et on est content de cette première étape. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est content. On part avec un avantage qui est quand même important. Oui, c'est sûr, l'objectif de ce soir, c'était d'avoir un avantage assez important pour envisager le match retour avec plus de sérénité. Ça a été bien défensivement aussi parce qu'il y a eu très peu d'occasions concédées. Et puis après, d'un point de vue personnel, ce but, une fois de plus, qui délivre l'équipe et qui permet de mettre le PSG sur la bonne voie. Ouais, c'est clair que le clean sheet, il est important. C'est sûr qu'on est à la recherche de ce genre de performance défensivement en Champions League. Voilà, on l'a fait contre une équipe, c'est vrai, qui ne marquait pas ses derniers matchs. Mais voilà, il faut toujours le faire. La Champions League, c'est une compétition différente. On savait qu'il venait avec beaucoup d'envie. Et après, bien sûr, on a réussi à marquer, comme j'ai dit, à des moments importants, des moments qui font mal. Et voilà, on va aller au match retour. Ça va être un match un peu plus similaire. Ils vont attaquer un peu plus. Ça veut dire qu'on aura des espaces. Ça sera très important de bien sortir de la pression parce qu'après, on sera toujours des 3 contre 3, des 4 contre 3. Et si on a tous ces espaces sur 40 mètres, je pense qu'on va aller là-bas et on va marquer. Bah, c'est sûr qu'avec cette attaque que vous avez pu déployer ce soir, avec cette vitesse, ces enchaînements dans la profondeur qui font très mal, si on arrive à être solide défensivement sur le début du match retour, ça peut permettre à ce PSG de briller aussi. Oui, c'est clair. Je me répète encore, ça va être une clé. Eux, ils vont vouloir jouer, ils sont en retard. Ils vont vouloir avancer très haut. Nous, le plus important, ça va être vraiment de mettre de la qualité dans nos ressorties de balles, qui va nous permettre, nous, de toucher les ballons et de pouvoir après faire ce qu'on sait faire de mieux, attaquer sur des 1 contre 1, sur même des 1 contre 2. Mais ça, on sait faire. Donc, on va préparer le match et on va faire ce qu'il faut au match retour. Eh ben, merci Kylian et félicitations.